Mayotte Première, c'est net. Rendez-vous sur mayotte.lapremière.fr. Vous avez la parole. Bienvenue à vous. Fort de son succès, le Festival d'art contemporain revient une nouvelle fois sous forme de concours éducatifs et culturels dans les collèges. L'objectif, permettre aux élèves d'exprimer leur potentiel artistique. À cette occasion, des œuvres d'artistes ont été exposées dans certains établissements scolaires. Nous les avons interviewées pour vous. Je m'appelle Flore Vaillant et donc j'expose ici trois œuvres qui sont des techniques mixtes, c'est-à-dire que je mélange le collage, la peinture, le crayon, le feutre, mais c'est essentiellement du collage. Moi, la différence de la plupart des artistes ici, je ne représente pas autant Mayotte que, j'allais dire. Hein. Vous n'allez pas trouver dans mes œuvres les Salouvas ou les Bueni ou des paysages de Mayotte. C'est plutôt un travail qui est centré sur moi. C'est-à-dire que quand je crée, je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire et puis je me laisse aller et puis je colle des petits bouts que je glane et je découpe dans des tissus, je découpe dans des enveloppes, dans des magazines, un peu tout ce que j'ai autour de moi au moment où je suis en train de faire. Et ça avance comme ça. Il y a toujours un personnage central, un personnage féminin qui est central et on peut dire j'habille un petit peu autour de ce personnage parce qu'il me passe par la tête à ce moment-là. Pourquoi s'intéresser à l'art? Mais parce que l'art, on ne s'intéresse pas à l'art. L'art est nous, nous sommes art. Toute l'humanité, il n'est pas de civilisation qui ne vit pas avec l'art. Tout ce que vous portez, vos boucles d'oreilles, le joli rouge à lèvres que vous portez sur vos lèvres, la forme de vos lunettes, tout ce que vous avez a été pensé à un moment donné comme étant une conception artistique. Récupéré ensuite par le monde de l'industrie, ce qui fait vos lunettes, qui fait vos boucles d'oreilles, certes, un objet industriel, mais au départ, il y a une pensée artistique. Et l'art que nous amenons ici, penser qu'on peut amener de l'art, c'est une erreur. Là, on est dans la monstration, on montre, on expose, mais l'art est partout. Mayotte Première, c'est net. Rendez-vous sur mayotte.lapremière.fr. Vous avez la parole. Vous avez la...